Fribourg, c'est une ville extraordinaire, avec des gens extraordinaires. Et Fribourg signifie aussi mon enfance. Et mon enfance, elle est extraordinaire parce que il y a quelques années, en Basse-Ville, le monde était le monde de l'enfance. On pouvait tout faire. C'est pour ça que je continue à tout faire. Vous savez, à Basse-Ville, les Bolts, c'était les pauvres, hein? C'était pas... Et puis le bol, c'est un gars qui est comme un guerrier, il fait comme il veut, il dit ce qu'il veut, il fait surtout ce qu'il veut. Et je suis l'exemple vivante, hein, de la Basse-Ville. L'été, j'ai vu souvent des enfants qui rôdaient, ils ne savaient pas que faire. J'ai dit, ben moi je vais créer avec une dame le passeport vacances. Et j'ai créé ça il y a 38 ans. Et puis on me disait toujours, ouais, mais tout le monde va en vacances. J'ai dit, ben moi je fais pour ceux qui ne vont pas en vacances. Dans la vallée du Gautéron, il y a des légendes, il y a des dragons, il y a les lords fantômes, il y a toute une sorcière, il y a tout ça. C'est une légende. Et puis Gautéron a été construit et a été créé dans la vallée du Gautéron, sur l'étang du Gautéron. Et puis il m'a dit, ben bon, fais des dessins. Puis j'ai fait des dessins, alors j'ai fait un dragon. Et c'était surprenant. Un club, tout d'un coup, il change de logo, il met un dragon. Mais c'est une histoire magique du Moyen-Âge. Et moi, j'essaye de continuer mon enfance. Que ce rêve du dragon, il continue. Puis après, j'ai dit, hey, j'ai encore une autre idée. Je veux mettre un dragon qui rentre sur la glace. Alors là, il a pensé que j'étais fou. Il a dit, c'est pas possible de rentrer sur la glace. Mais j'ai dit, oui, pour toi, c'est pas possible. Mais pour moi, tout est possible. Fribourg, c'est une ville de hockey. Vous savez, avant, il y avait le football, il y avait tout ça. Mais le hockey a pris le dessus sur tous les sports. Et c'est intéressant quand même que les gamins de la basse, ils ont fait un club qui a grandi comme ça. L'art et le sport est quelque chose de très, très commun. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des grands sportifs, j'ai rencontré plein d'artistes et tous, ils m'ont dit la même chose, il faut de la technique, du physique, parce que ce n'est pas facile d'être peintre, sculpteur, ou bien il faut du physique, et puis d'avoir un très bon mental. Le bon mental, il fait grandir la personne. C'est les plus grands personnages de ce monde, ils doivent avoir ça pour pouvoir donner quelque chose aux autres.